Pas du tout, hein. Non. C'est bien. Ah, oula. Oh, ça marche, mon Dieu. Ceci est une émission pirate. Oui. Bonjour. Alors, attendez. Je vais mettre ça derrière. Donc, voilà. Je suis Gabriel Castelbaum. Je suis développeur. Je fais de l'Erlang tous les jours. Je fais partie de ces gens qui développent dans ce langage assez peu connu, qui s'appelle Erlang. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors, développeur, c'est marqué dessus, hein, de toute façon, comme le pour-salut. C'est une émission pirate parce que ça va être court, ça va être petit. C'est en référence au film qui s'appelle L'An 1, que je vous invite à voir, qui est absolument excellent. Pourquoi je voulais vous parler d'Erlang? C'est parce qu'en fait, beaucoup de gens, ici, souvent me demandent « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Pourquoi tu fais de l'Erlang ?» Eh bien, il est temps de répondre maintenant. Erlang m'intéresse parce que ça a été fait comme un langage qui voulait répondre à une certaine problématique. La problématique qui est des problématiques concrètes qui sont celles qu'avait à gérer Ericsson à la fin des années 80. Fin des années 80 et début des années 90, il devait faire des switches pour recevoir tout un tas d'appels téléphoniques et les renvoyer vers d'autres appels téléphoniques. Et donc, il y avait des centaines de milliers de téléphones qui étaient liés les uns aux autres et il fallait faire passer comme ça les messages les uns aux autres. Et tout en faisant quelque chose qui marche bien, forcément quand même, dans un environnement donc totalement distribué, parce que avec des centaines de milliers de machines, des centaines de milliers de téléphones, avec de l'out dispo, et puis pas question que le téléphone s'arrête. Donc, une mise à jour sans arrêt de service. Alors, ils ont essayé de faire ça en C++ pendant des années, et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ça ne marche pas trop bien, et des gens qui étaient dans leur lab sont arrivés, ont dit, oh, nous, on peut le faire, ce sera en Erlang. Et une des choses donc intéressantes, c'est que le langage donc lui-même est designé pour répondre à des problèmes de scalabilité, de montée en charge. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces problèmes-là? Ce sont les problèmes que l'on a maintenant, c'est-à-dire les problèmes de la téléphonie des années 80-90, ce sont les problèmes que maintenant on a sur nos sites Internet. Un exemple, pas, WhatsApp n'est pas vraiment une application Internet, mais il y a 19 milliards de messages entrants par jour dans l'application WhatsApp. Et ça a été racheté par Facebook pour d'ailleurs 19 milliards. C'est un hasard, c'est comme ça. Et en quoi c'est fait, comme par hasard, en Erlang? Donc en fait, il y a cette espèce de possibilité qu'a Erlang de faire des choses qui se calent bien. Donc, alors l'intérêt, ça va être de savoir, mais pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi ça marcherait un petit peu mieux quand même en Erlang que dans d'autres langages? De quoi Erlang est-il le nom? Alors, pour voir ça, simplement, on est entre codeurs, donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que d'Erlang. Hop. Erlang, ça marche sur une machine virtuelle. Donc pour lancer une machine virtuelle, on va taper URL. Donc on rentre tout de suite sur la machine virtuelle Erlang. Par défaut, il y a la console qui va s'afficher. Et donc ça va nous permettre de taper quelques commandes. Par exemple, un plus 2. Et voilà, on peut comme ça faire des additions, ce qui est quand même un énorme langage pour pouvoir faire du distribué, hein, faut bien avouer. Erlang est un langage donc qu'on va pouvoir tester un tout petit peu au travers de cette console, comme c'est ce qu'on va faire là actuellement. C'est un langage dynamique. Donc quand on tape A égale 3, vous voyez, on n'a pas besoin de dire que c'est un int. Il y a une assignation directe du A pour le 3. C'est donc B égale une chaîne de caractères, pas de souci. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une des deuxièmes caractéristiques d'Erlang, c'est que c'est un langage fonctionnel. Il est fonctionnel par comment dire, par accident. C'est comme ça qu'eux-mêmes le disent d'ailleurs. C'est avéré qu'à la fin, c'est devenu un langage fonctionnel. On va le voir au moins par deux caractéristiques. La première, c'est l'immutabilité.
Qu'est-ce que ça veut dire immutabilité? C'est que si on met a égale 4, il va sortir une exception. Parce que a égale pas à 4, a égale 3. Et on ne va pas revenir sur le fait que a égale 3. Immutabilité totale. Donc ça veut dire qu'il y a une isolation des valeurs. Les données ne sont pas partagées, ne peuvent pas être écrites par deux personnes en même temps. Et deuxième chose qui montre que c'est un langage fonctionnel, c'est qu'on appelle des fonctions. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une fonction, on va lui envoyer des paramètres, il va renvoyer quoi qu'il arrive, il va renvoyer quelque chose. Par exemple, on va afficher simplement le fameux Hello World. Well, toc. F-right, oui, merci. Right. Thank you. Hello World. Et en fait, on voit que derrière, il y a marqué OK. Et qu'est-ce que c'est que ce OK, en fait? Ouais, bah, peu importe. C'est le retour de la fonction fwrite. Fwrite a fait l'affichage, et puis après, il a affiché le truc OK. Alors, pendant longtemps, en fait, j'ai cru que Erlang était le nom donné à ça, c'est-à-dire à l'immutabilité et à un certain côté fonctionnel. Mais en fouillant, en fin de compte, il y a un deuxième aspect qui est vraiment important dans Erlang, ce sont les process. Et ce sont les process que l'on va étudier plus particulièrement. Armstrong, un des premiers créateurs d'Erlang, on parle de concurrency-oriented programming, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des objets, on va faire des process, et on va les lancer comme ça, en parallèle. Et comme ça, n'importe qui va arriver, peu importe, et de façon concurrente, les requests vont arriver sur ces process, et puis ils vont les traiter. Les process sont très légers, et on va le voir. Donc, les process en Erlang, premièrement, ils sont extrêmement légers, ce n'est pas des process système. Si vous connaissez AK ou Go, même, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que les process vont se lancer extrêmement facilement. Une fois qu'ils sont lancés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme on est dans un langage fonctionnel, premièrement, c'est que ces process-là, ce sont des fonctions. Donc on va leur envoyer des paramètres, ils vont envoyer des choses en retour. Les process vont communiquer entre eux, donc une fonction va appeler une autre fonction. Ils vont communiquer par message, et les messages vont être envoyés par copie. Donc là, même système que tout à l'heure, on a une sorte d'immutabilité qui est au centre de tout le design même d'Erlang, qui est de dire, t'as un process ici, t'as un autre process là, je t'envoie une copie du message, et si lui il meurt parce que la machine tombe, parce que quoi que ce soit, peu importe, lui il a la copie du message. C'est important. Donc, troisième chose, c'est que ce sont des acteurs. Est-ce que vous connaissez le pattern des acteurs? Ça doit aller. C'est-à-dire qu'on a notre process qui est là et qui attend des messages. Et si on lui envoie des messages, les messages vont se mettre dans une queue et après vont être utilisés et processés par ce process, justement. Alors, donc ça, ce sont les process. Alors, c'est un petit peu abstrait comme ça. Alors, comment est-ce qu'on va le... Je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour les manipuler, déjà. Donc, il y a trois choses pour créer des process. On le lance, on crée le process avec le spawn. Le process, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se mettre en attente d'un message venant d'un autre process, ça va être le receive, et on peut lui envoyer des messages. On va faire un exemple pour montrer que ça marche. Cet exemple, ça va être un joueur de ping-pong. Un joueur de ping-pong, qu'est-ce qu'il fait? Ça va être notre process joueur de ping-pong. Il va attendre là, il va se mettre en état de réception, il va attendre des trucs côté coup droit ou côté revers, et puis il va jouer, tout simplement. Alors voilà, on va lancer notre... C'est du code Erlang. D'une certaine manière, peu importe si vous comprenez pas, l'important c'est de voir un petit peu tous les concepts. On va lancer donc un process qui va dire, on va faire un spawn, qui va lancer une action qui va appeler ce playloop, qui est la fonction qui est ici. Et donc le playloop va être une fonction qui va être là, qui va dire... Qu'est-ce que je vais faire? Je suis un joueur de ping-pong, ben je vais attendre un message, je vais attendre une balle. Elle est là, la balle. Et une fois qu'il aura la balle, il va appeler la fonction play, toc, qui est ici, et la fonction play va jouer.
et il va remonter. C'est une loupe, donc c'est pour ça qu'on va la suffixer, juste pour le plaisir, on va la suffixer par le mot loupe. D'accord ? On voit des choses qui vont être assez familières aux gens qui font du langage fonctionnel, à savoir, ici, il y a du pattern matching. Quand on reçoit le mot balle, quand on reçoit quelque chose dans la variable balle, on va regarder à quoi ça correspond. Ah, ça correspond à la chaîne caractère. Right. On va faire un coup droit. Foudroyant. Mais vous voyez, en fait, il ne sait pas faire de revers, cet abruti. On va regarder le code. On va le lancer. Hop. Voilà. On va relancer. Attends. Je vais vous remonter ça quand même. Toc. Et tout le code qui est là, je l'ai mis dans ce qu'on appelle un module. Un module, c'est un endroit où on met des fonctions, puisqu'on est dans un langage où tout est fonction. Ce module, il s'appelle player. Je suis sur ma machine virtuelle, je viens de charger le code de ce langage, de ce module-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le module player qui est là, il y a tout un tas de fonctions, vous voyez, play and respond, play loop, par exemple. Ce sont les fonctions qui ont été chargées sur la machine virtuelle. Ça correspond à quoi? Ça correspond au code qui est là. Voilà. Donc, on va faire un exemple où on va donc créer un joueur de ping-pong qui s'appelle Eric. Hop. Heureusement, il y a un peu de complétion automatique parce que begin to play, on va lui donner donc son petit nom qui s'appelle Eric. Voilà. Toc, toc, toc. Alors là, il y a deux. Et il y a deux fois égal aussi, ouais, t'as raison. Merci. Donc, on a créé un process qui s'appelle Eric. Et on peut envoyer une balle donc à Eric. Hop, right. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie. Le process reçoit le message, traite le message et renvoie une réponse. Alors, jusqu'ici, ça va, c'est assez simple. Mais qu'est-ce qui serait intéressant, c'est que ce code-là qui est buggé, on puisse le patcher facilement. Donc, je vais, afin de vous montrer ça, begin to train Eric. Toc. Hop là. Alors, ça, c'est un petit code que j'ai fait juste pour lui envoyer au process qui est là, qui s'appelle Eric. On lui envoie des coups droits ou des revers. Et vous voyez bien que les revers, il les rappe tous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va patcher le code à chaud. Là, on est en prod. Il y a une machine qui tourne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le code qui est là. Hop. Toc, toc. Je retrouve le bon maintenant. Voilà, qui est là. Et on va lui faire un petit patch. Qui est. Et donc, hop. Revers. Bon, attends. Voilà. Donc, il vient d'apprendre à faire un revers. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va recharger en prod. Donc, sur la machine virtuelle, on va lui dire compile et reload le player, donc le process player. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, il va recevoir des coups droits et des revers aussi, s'il te plaît. Tu serais gentil. Et une fois qu'il aura un revers, il va y arriver quand même. Oui! Bon, il est vraiment très laborieux, son revers, hein, franchement. Mais vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun arrêt. Aucun downtime. Pourquoi? Parce qu'on est dans du fonctionnel, parce qu'il n'y a pas d'état. Les process n'ont pas d'état. Donc, on arrive sur notre fonction qui dit du jouer. La machine virtuelle dit « Ah tiens, il y a du nouveau code. » J'enlève le code, je remets le nouveau. Et là, la fonction est appelée avec les paramètres. Et comme il n'y a pas d'état, comme il n'y a pas d'objet qui tient le truc, on peut faire du reload très facilement. Et notre truc marche, vous voyez, assez bien, comme ça. Alors, dernier truc, on fait un petit test en charge, quand même. Notre petit... on va reloader une nouvelle fois notre player. Et pour vous montrer que, quand même, c'est vachement léger de créer un...
de créer des process. On va créer, disons, je sais pas, 10 000 process à qui on va envoyer un coup droit ou un revers. Lui va répondre coup droit ou revers, puis on va comptabiliser tous les coups qu'il fait. On va lui envoyer trois fois, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer les trois process. Et vous voyez qu'en un dixième de seconde, il y a 10 000 messages fois 7, 70 000 messages qui ont été transmis. Tout ça sur donc toute une machine virtuelle, ça pourrait être même sur plusieurs machines. Donc là, c'est en un dixième de seconde. Intéressant, c'est qu'on va rajouter un zéro, et en fait, la scalabilité va être normale, ça va être en une seconde. Et si on fait 1 million de messages, ça dure 12 secondes. C'est-à-dire que le temps est vraiment linéaire. C'est totalement prédictif. Là, donc, il y a 700 000 messages qui ont été transmis en une seconde, ce qui est quand même pas mal. Alors, tout ça pour vous dire, pour conclure, de quoi Erlang est-il le nom? Il est le nom de l'isolation des process, de la copie par message. Et c'est ce genre de choses qui a permis de faire des trucs distribués. Et maintenant, je ne dis pas tous, ouais, faites de l'Erlang, c'est hyper bien. Dites juste, quand l'expérience veut que si on veut faire un truc distribué, tout un système distribué avec de la maintenance, etc., il faut copier les messages, il faut que les systèmes, les process soient isolés. S'il y en a un qui tombe, l'autre reste, etc. Et une fois que vous avez ça, normalement, vous devriez pouvoir commencer à scaler vraiment sérieusement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. 16 minutes. Wow. I'm not dead. Oh, putain. C'est pas compliqué. Ça a été. Bonjour. La dernière fois que j'avais fait du langage fonctionnel, c'est Camel. Ouais. Il y a quelques années. Ouais. Le langage fonctionnel, on en fait un petit peu en JavaScript pour le coup. Oui, un petit peu vers ça, tout à fait. C'est sympa. Ouais. On trouve des syntaxes et puis mais c'est pour tout le monde, performance, tout ça. Tout le monde, c'est reportable. Oui. Oh, oui, tout à fait. Et les 1 million, il les fait. Hein. Ouais, enfin, je ne l'ai pas fait parce que ça dure 12 secondes, j'avais plus le temps. Mais ah, ouais. C'est juste assez monstrueux. Ah, oui, ouais, c'est monstrueux. Ah, ouais, mais il tient des charges incroyables. Et en plus, ça les tient assez régulièrement. Et en fait, après, du coup, si jamais tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu vas scaler, tu vas rajouter une machine. Et la machine, ça va se répartir comme ça. Parce que ça se passe très facilement. Quand on scale, on va lancer une machine virtuelle par. Une bonne machine physique et puis ouais. Communiquer entre elles tranquillement. Exactement. Il y a des systèmes de communication entre eux. C'est de base dedans, quoi. Enfin, c'est de base dedans, absolument. Il y a aussi une base de données à l'intérieur qui est distribuée d'ailleurs, qui s'appelle Mnesia. Ouais. Que WhatsApp utilise énormément Mnesia, c'est pour ça. Et qui permet comme ça de pouvoir prendre des trucs, de les garder un certain temps, de pouvoir les redonner comme ça. Là, WhatsApp, ils envoient des SMS. Et donc, ils gardent ces SMS en stockage dans ce Mnesia, qui sont distribués sur une centaine de machines ou 200 machines. Pour le coup, comme à la AK, si par exemple on a des acteurs en remote, ouais. Qui fait pas la différence, enfin, on ne fait pas la différence dans le code, c'est en configuration. On fait la différence très peu. Ouais. On rajoute juste, attention, tu vas l'envoyer à un nœud. Mais sinon, ouais, effectivement, ouais, c'est juste. C'est hyper léger. Quoi. C'est hyper léger. Ouais, ouais, okay. Ouais. Bah, AK est profondément une copie de Erlang. Ah, il le veut clairement. Ouais, ouais, c'est ouais. Copie de Go. Non, mais Go, c'est pas immutable. C'est pas immutable. Et c'est pas fonctionnel. Parce qu'en fait, ils ont dit c'est immutable. Donc, du coup, ils sont devenus fonctionnels presque. Et du coup, il y a tout un tas de patterns qui sont comme ça, que tu n'auras pas en Go. Parce que, justement, la mémoire partagée, comment vous faites, c'est des copies ou c'est des. En Go, les channels, ça copie les messages. Ah, d'accord. Donc, ouais. Tu peux aussi faire des. Des c'est très générique, ouais. Donc tu peux faire des choses. Qu'il faut pas. Okay. Ouais. Mais un peu, j'ai une question sur Erlang. Ouais. En Go, tu peux passer les channels dans les channels. Ouais. Ici, les channels, c'est pas les channels, c'est en fait c'est des acteurs. Ouais.
Est-ce que tu peux passer un acteur à un acteur, que du genre. Ouais. C'est la balle de ping-pong, en fait, tu passes le joueur et tu dis, en fait, le prochain joueur, c'est celui-là. C'est toi-même, c'est toi-même, ouais. C'est ça. Excuse. En fait, tu peux lui passer une fonction, à la limite. Par exemple, et la fonction est une référence à... Elle est copiée, elle est démarchalisée. Oui, mais je veux dire, comment, si je t'envoie un message et je veux que tu me renvoies à moi, quelque part... Voilà, c'est on joue au ping-pong, je t'envoie la balle, et en fait, c'est un ping-pong à trois personnes. Donc, je dis, après, le troisième, c'est lui, c'est pas moi. Donc, comment je dis que c'est lui ? Faut que tu le mettes dans le code, ça. Tu peux lui passer l'ID de celui à qui tu veux envoyer la balle. Tu vois pas, c'est-à-dire, en ping-pong, donc, quand tu lui envoies un message, tu lui dis, c'est moi qui te l'ai envoyé, tu vas me la renvoyer. Ouais. Mais à la limite, toi, tu as la référence du troisième, tu lui dis, tiens, tu lui enverras la balle et tu lui envoies le... D'accord, donc si ils sont nommés, tu peux mettre, tu peux dire, c'est le nom de l'acteur, tu peux dire, envoie le passé. En fait, c'est le troisième joueur sur le nom, et tu envoies l'identifiant de ce troisième joueur, sachant que dans l'identifiant, il y a aussi le reste avec la machine. Exactement, voilà. Exactement, ça se fait. Il y a pas mal d'architectures comme ça, justement, pour dire je te l'envoie à toi, puis après, toi, tu vas le distribuer. Voilà, c'est très intéressant. Ouais, okay. Exactement. Cool. Après, lui, il tombe. Oh, bah, tant pis. C'est pas grave. Trop tard. Mais il y a une très bonne conf demain sur Fault Tolerance. Oui, ça va être super bien, ça. Super bien. Il y a aussi une très bonne conf sur Go. Mais attends, t'es toujours. Jamais, je fais la Il est excellent, lui. C'est un excellent speaker. J'ai une question. Dans le cas où je vais sur une seule machine, est-ce que l'envoi de message, ça peut se faire par référent? Non, justement pas. Et à quoi ça sert? Parce que c'est immutable, donc il pourrait référencer la machine. Allô? Quoi? Ok. Ça bouge pas. Ok. C'est quoi? Non, it's mirrored. Ouais, ça se reflète. Oh boy. Voilà.
OK. Deet, open source. Rock on. Thanks, guys. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je suis prêt à vous adresser en français si vous voulez, mais on n'a pas beaucoup de temps, alors je vais me précipiter un peu. En anglais, c'est mieux, OK? Autrement, je vais laisser le code parler pour lui-même. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais codant, OK? Beautiful code. I'm here to speak to you guys about Spring Boot. How many of you have heard of it? Yay! Rock on! Okay. The idea is that it's a productivity framework. It's a way of focusing attention on the important things when building applications. Who has used Spring before? Okay, me too. Right on. Okay, so we're friends. There's a lot of great stuff in the Spring platform, you know, but sometimes it can be a little confusing. Plus, there's just a lot of things that are not obvious to people. And when you're building a new application, it can help to have good common sense defaults, you know, in place. So we want those in place. So I'm going to go ahead and show you how Spring Boot helps you move faster, okay? We're going to build an application. I like to do this. This is a very simple demo, right? It's only 15 minutes. I will have a talk later on where I'll talk about this more in depth. The idea is we're going to build an application using Spring Boot from start. How many of you have heard of OpenTable or something like this? OpenTable is a system for making reservations. Alors, si je voulais réserver un lieu en restaurant, quoi, I can use that system for that, okay? Very, very simple. Not very hard to think about. Okay, so to get started, there's a lot of ways to get started. How many of you use Eclipse? IntelliJ? Egal, okay. So either way, you can use anything you want. It does not matter. If you go to start.spring.io, there's a web service. You can see this all? So you have a web service. You say, I want to, this group for my Maven build or my Gradle build. I want this description, the artifact, the project, etc. And then I can choose the type of application I would like to build. I'd like to build a web application. Can you see that? Web. I'd like to have TimeLeaf, which is a template. It's like a JSP or FreeMarker or Velocity. I want to work with JPA, okay, for database activity, for ORM, yeah? And I want the actuator. I don't know why. That in physics, an actuator is something that takes a little bit of energy and makes a lot. So, you know, go from here to bam, you know, very, very strong. So we say generate, okay? That gives me a zip file I have downloaded. Take this to my desktop. Oh, I've already got one. Replace. Okay, unzip. I'm going to go in here and build file Gradle. Open this here with TextMate here. Already, I have a very simple thing here, right? I have a very simple build file. You can see I have Maven, and I'm specifying Java version 1.8 because I like Java 8. Normally, when you specify dependencies using Spring, there's lots of optional dependencies. So it's up to you to specify that I want just Hibernate or just, you know, these libraries or that. With Spring Boot, you don't have to do this. You say, I want to build a web application, and you specify, you know, in that checkbox on the wizard, you specify web, and you get this dependency. And that brings all that you will need to build a web application. It has Servlet 3 support, it has an embedded container, it has you know, REST support and everything. If you want to work with JPA to build a ORM or MongoDB or whatever, you specify a starter and it brings in a full stack. Here, this brings in Hibernate and transaction support and all that ORM stuff you need to be productive, okay? Here, my parent build points to a Maven POM that has managed all the versions for me. So in the future, if Spring Boot 2.0 comes, you know, I change the version and I get the new version of everything else. I get Spring updated, I get Spring data, Spring integration, Spring batch, all of this stuff is taken care of for me. I get the new versions, no problems, okay? So it's a real way to save time. You only have one version and we have common defaults for everything else. Okay.
open desktop starter. Okay. So we have in here a very, very basic project, nothing special, just the Maven project we saw. Empty unit test, empty property file, empty entry point, you know, entry application class. Spring's Java configuration annotation. It says component scan. And this is Spring Boot. This says, help me. Just please help me. Do whatever you can to help me be productive. I don't want to think. I don't want to have to worry, you know? So now we can just write code and you know, hopefully don't have to configure much. We'll start with the basics. I want to save something to a database, okay? If I need it, I'm going to use the embedded in-memory H2 database. Okay, it's a very lightweight, fast Java database. Go ahead and do that. I go to my application code. I say class reservation, you know, like so. Come on. String reservation. Okay. It's going to be JPA, so I need ID. I need a generated value, you know. Okay, choose this. I need a constructor, of course, so like so. Another constructor with no arguments. It's JPA, after all. Getters, JPA, again, so much noise, so much waste. Entity, like so. Okay, so basic object, nothing fancy. This will be a database table called reservations. Now I need some way of storing that data, of working with the data. I can use Spring Data repositories. I say interface reservation repository. Extends JPA repository. Reservation. Whoops. You have to know how to type in order to do this. And now I have a component that I can use to see what is happening, you know? I can say at component reservation command line runner implements. And actually, I could do this. This is fine. This is easy. But implement methods, like so. This is a callback. It will give me string args for public static void main, okay? But with Java 8, of course, I can go even further. I can say at bean command line runner, right, return. And then, of course, the string, like so, okay? So same thing, except now I can do whatever I want with it. I can say, give me a reservation repository, and that gives me a pointer to this, okay? Spring provides this, yeah? I don't have to worry about that at all. I just get it from Spring. Now I can actually use the data. I want to query the data that's in the database. At the moment, there's nothing in the database. Based on convention, based on defaults, if there's a file called data.sql, you know, insert into reservation name values, Josh. Sure. Okay. There we are, mes amis. Okay, so I have four records in the database by default for testing. It's very convenient. Now I can say reservation repository, find all, find, you know, for each, R, like that. This is Java 8 lambdas, yeah? How many of you have used Java 8 lambda so far? Oh, isn't it sexy? My goodness, I love Java 8, man. That's a big win right there. So I'm going to go ahead and say system.out print line like that. Yeah, even better. And we can run this now. Okay, so I'm defining a bean of type command line runner. Very, very simple so far. I want to query by the name. Okay, so I can do collection reservation. Find by reservation name string rn. Okay. And now I can change this code to do to find only the ones that are by that name. Okay, voila. So
Now we run the code. Come on. What have I done wrong? Oh, of course. Dumb boy. There we are. So this will find one record by the name that we have specified. I don't have to write the query. I don't have to write the code. It just works, yeah? Hopefully. Espero. It's in demo, after all. Okay, reservations. Oops. Save it. Reservation. Okay, application. There you are. So, oh, pfft. Well, you got the four records here. You get the other one from here, right? And you can see the query. The query is generated by Spring Data. Not bad, okay? We have saved a lot of configuration. No pain. I can go further, of course. Again, based on convention. Let's say I want to have a time leaf, a template, you know? So I go to here. I create a public templates directory. Source, main resources, templates. Okay. Reservations. .html, and I also want a REST controller. After all, it's not an application unless it speaks REST. That's the law. It's, you know, it's c'est prouvé par la loi. So, okay, like that. I will define a at REST controller class reservation REST controller. Whew. Okay, request mapping. Reservations, collection, and I will inject the pointer to that reservation repository here, like that. Find all, like this, okay. So I'm using Spring MVC here. Spring MVC's REST basics, you know, the REST support. Nothing special, just a regular REST endpoint. So if I rerun this now, like this, it will start up. And then I'm going to cheat. I'm going to take some, we have very little time here, so I'm going to go very quick. Boot examples. Oh, sadness. Oh, you know why? It's still running. Saku en cours. So interesting thing I learned about this. Single instance only. Okay, do that. Very useful. Rerun. And then I will go over here and get some HTML. Some very basic HTML, REST and MVC, please. Oh, it's going to be very tight. Come on. Yes, so this is HTML. I'm using TimeLeaf, yeah? So it's TimeLeaf, the template. I have a for each booking or reservation, print out the information. So I'm going to save that. And then same thing here. I'm going to call the REST service and use AJAX, OK? Well, maybe we should save the AJAX for later, just in case. I may have no time. OK, so that's this. I've got the REST endpoint up and running, right? So localhost reservations, voila, OK? So I have that REST endpoint already working very quickly. I don't have to specify anything. Now I go back to my, I'm going to create another controller. Same idea, except this is HTML. Oh, pray for me. We must go faster. C'est la vitesse de typing, you know? So I say string, reservations, return, reservations. This goes to reservations.html, yeah? Spring MVC model, I inject this, model.addAttribute, reservations, this.reservationRepository.findAll. Okay, so now I have an HTML controller as well. I'm going to put reservations in there and then just show them on the page, this page right here. Okay, so now I run the application again. Run, favite, stop and rerun. Okay, so while that is starting, there is a lot of other things you should know. There's an agent you can use to do live reloading, a Java agent called Spring Loaded. So here's this, yeah, no problem. Now I go to this. Oop. Have I forgot my TimeLeaf demo?
Oh, thank you, smart lady. Merci. Okay. So there we go. Ah! Sadness. Okay. I'm losing my mind. Okay. Rerun that again. And while that's doing that, I'm going to go ahead and add, you know, I'm going to show you some other things here because we want to hurry up quickly. Come on, come on, come on, come on. Come on. Sad. Okay. Otherwise, there are other endpoints that come with it, like metrics, shows you information about the requests that you've made. Health gives you information about the current health of the application. Beans shows you information about the currently loaded application context and so on. Why has this failed? Booking name. Aha. No, I see. Don't worry. We fix it. See? Reservation name. Okay. And then I'm going to add one more thing, if you'll forgive me. One more thing here so we can see everything at once. Spring Boot Starter Remote Shell. And then... What? No, it's changed. It's... Je suis sûr. Promise. It used to be, but they changed the name for simplicity. Okay, come on. Come on, people. SSH minus P 2000. User at 127.0.0.1. Okay. This reservations.html. Voila. Okay. Now I have a endpoint here with a default password fourni par Spring Boot. Okay. Password. Log in. I have a shell here. Again, just by default, I say health. You know, give me the health. Help. Say health or metrics. You know, same thing as before, like that. I can say, you know, dashboard shows me Java top, all the processes, the memory, metaspace, etc. So again, thank you very much. I'm sorry it took so long. There's more for integration and batch processing and everything else.